m'appelle Abdoulaye Nguyen, je suis le représentant du groupe des SWEP. Elle, c'est ma cousine, elle s'appelle Fatsar Gueye. Je suis élève à l'établissement CM Mamadou Ndiaye. Je fais la classe de 6e. Elle fait la classe de CM2. Elle est élève les mamans. Ici, nous avons représenté notre plan. Ici, c'est-à-dire nous avons représenté la porte d'entrée. Ici, chez le jardin. Ici, chez le garage, qui a deux portes. La première porte, c'est-à-dire porte d'entrée pour la voiture. Elle est automatique. Ici, on a une autre porte, c'est-à-dire porte, au lieu que le propriétaire de la voiture ressort, il entre automatiquement. Ici, on a un amachement. Cet amachement, c'est-à-dire à la période de l'hivernage. Si la pluie entre dans la maison, l'amachement fait de sorte que la pluie, que l'eau de la pluie n'entre pas dans la maison. Ici, on a la localité. Ici, nous avons la cuisine qui a deux portes. Une porte baie vitrée et une porte en bois. Ici, nous avons une salle. Nous avons deux portes. Ici, on a représenté les fenêtres. Ici, on a les escaliers. Ici, on a chambre des enfants. Ici, on a patio. Ici, on a chambre des parents. Ici, on a chambre. Ici, on a des toilettes. Ici, on a la buanderie. Ici, on a les murs coloriés. Les murs foncés sont les murs qui touchent au plafond. Et les murs clairs, comme celle-ci, sont les murs de collecture. Et ici, on a représenté les établissements. Ici et ici. On a fait plus et moins. Ça signifie les amachements. Je l'ai déjà expliqué. Ici, on a vide, rue et maison. Merci. 60 mètres. Tous les côtés sont égaux. On a commencé par créer la chambre des enfants, chambre des parents avec une salle de bain et un salon au milieu parce qu'on n'a pas d'espace. C'est pour ça qu'on a fait le salon ici. Parce que si on avait un rectangle, on peut faire le salon où on peut faire le salon ici ou ici. Et on a fait ici la cuisine. On a mis ici une fenêtre. On avait mis une porte, mais c'est pas grave. On a mis ici une porte et une fenêtre. La porte des chambres des parents était au milieu, mais on a changé la porte. L'architecte a dit que les chambres des parents n'étaient pas. Une porte ne doit pas naître au milieu, il va être à côté. Et on a fait une porte coulissante et une fenêtre coulissante dans le salon. On n'a pas d'espace, on a oublié la toilette extérieure et on a pris la localité, mais on a fait une toilette extérieure. Chambre des enfants, on n'a pas fait une salle de bain parce que ça c'est risqué. Et on a fait ici le garage et on a mis une porte très grande parce que il ne peut pas entrer dans une porte petite, il va gâcher la porte. On a fait ici la porte de garage pour que la personne entre puis prendre son auto et il sort. On a fait ici le garage. Ces murs qui sont foncés sont des murs plafond et murs clairs. Sont des blacks. Je travaille. Je vais vous présenter l'expérience, l'encre qui disparaît. Pour ce faire, il me faut de l'eau, du vinaigre, de l'encre et de l'eau chaude. Pour commencer, nous allons prendre de l'eau. Nous allons verser une goutte d'encre. Nous allons mélanger. Après, si tu fais
l'eau chaude. Après, l'encre va disparaître. Et maintenant, au fur et à mesure, qu'on attend, l'encre va disparaître. Pour l'encre réapparaître, pour faire réapparaître l'encre, on ajoute du vinaigre. Voilà l'encre réapparaît. Maintenant, nous allons l'encre qui disparaît. Réapparaît. Disparaît l'encre qui vinaigre. Parce que molécule ndox bu tangal moy neubu molécule encre mais pour mu ñëwaat da ngay vinaigre parce que acide vinaigre bi mo tax encre bi ñëwaat. Mon nom c'est Mariama Cissé, je suis étudiante en licence 3 mathématiques appliquées informatique à l'université virtuelle du Sénégal rattachée à l'ENO de Kër Massar. Nous allons vous présenter un prototype d'une détection d'obstacles accompagné d'un émetteur de son à cas d'alerte. Le but de ce projet, c'est de mettre en place une canne connectée, une canne intelligente pour aider les personnes non-voyantes à marcher sans être guidées. En effet, lorsque un obstacle se présente devant celle-ci, elle va émettre un son. Et la personne va savoir qu'il y a quelque chose qui est devant lui. Alors nous l'avons réglé à 1 mètre. Dès que l'obstacle se présente à 1 mètre, celle-ci va émettre un son. C'est ça. Et après, la personne va savoir qu'il y a quelque chose devant lui. C'est pour les personnes qui ne voient pas. Je vais passer la parole à mon collègue qui va vous faire présenter l'aspect matériel du projet. Bonjour, mon nom c'est Hassan Thiam. Je suis étudiant en licence 1 à l'Université virtuelle du Sénégal en informatique développement d'application à l'ENO de Kër Massar. Pour réaliser cette canne, on aura besoin d'une carte Arduino Uno. C'est une petite carte électronique qui permet de stocker et téléverser le programme. On aura aussi besoin d'un capteur ultrason. Un capteur ultrason qui permet de mesurer la distance entre les obstacles et les dispositifs. Donc, je passe à la main à mon ami Keba, qui va continuer cette présentation. Bonjour, je m'appelle Keba Frey, étudiant en licence 2 à l'UVS, en mathématiques appliquées et informatique rattachée à l'ENO de Kër Massar. Je m'en vais continuer de vous présenter le dispositif matériel de notre projet. Ici, on a un dispositif qu'on a fait ici pour mettre des piles pour alimenter le circuit. Oui, ici, il y a un breadboard qu'on appelle en français une carte mère qui est un dispositif qui permet de réaliser un prototype de circuit électrique et de le tester. Il y a les fils de raccordage. Les fils de raccordage permettent de raccorder les différents matériels qui composent l'aspect matériel. Il y a ici le buzzer. Le buzzer, c'est le matériel qui émet le son, qui émet l'alarme à l'intérieur. C'est tout ce dispositif matériel qu'on a pu emmêler dans ce boîte. On a utilisé un logiciel Arduino pour programmer cette canne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pambi Sansek, étudiant en art graphique et numérique. Je suis de la promotion 5 à l'ENO de Kër Massar. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre exposé dans le thème qui parle de la modélisation 3D.
Donc c'est un thème en tout cas bon, d'actualité et un thème aussi bon, beaucoup plus scientifique. Donc aujourd'hui la modélisation 3D est un domaine qui est à part entier, donc comportant deux phases, c'est-à-dire la phase conception et la phase impression. Donc concernant la phase conception, donc nous allons d'abord bon, vous expliquer donc, les choses de base, c'est-à-dire la conception de toute maquette qu'on compte en tout cas faire avec des logiciels de base, c'est-à-dire Cinema 4D, Blender, Maya, Fusion 360 et extra. Donc aujourd'hui, bon, pour faire la modélisation de nos objets, donc nous avons jugé nécessaire d'utiliser le Cinema 4D et le Blender. Donc ces logiciels-là vont nous servir en tout cas bon, de beaucoup plus avoir le résultat dont nous attendons de nos objets à imprimer. Donc nous avons imprimé en tout cas bon, certains objets donc avec Blender et Cinema 4D. Donc c'est ce genre d'objets. Donc là nous avons un port de téléphone portable. Là aussi nous avons une médaille. Donc une médaille du moins qu'on a imprimée. Donc l'impression a duré presque de 30 minutes, 50 minutes comme ça. Donc s'il s'agit des objets à grande taille, bon, ça peut prendre des heures. C'est-à-dire le market de l'UVS en miniature. Donc ça a été conceptionné d'abord avec Blender. En plus, bon, faire les finalisations avec Cinema 4D. Et enfin, bon, nous avons fait l'impression avec l'imprimante 3D, c'est-à-dire avec End. Donc c'est la marque de cette imprimante End 3D. Donc on a fait l'impression qui nous a pris beaucoup plus de temps. C'est-à-dire ça a pris 10 heures, voire même 11 heures de temps pour avoir le résultat nécessaire. Donc quand on parle de la modélisation, donc on peut faire beaucoup de choses avec la modélisation 3D. On peut imprimer beaucoup de choses avec la modélisation 3D. Aujourd'hui, le monde est assez large. Et on ne peut pas faire quelque chose sans pour autant employer la modélisation 3D dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine en tout cas bon, de l'art numérique. Donc on peut utiliser la modélisation 3D pour personnaliser certaines choses. Et du coup, l'idée de notre exposition, c'est de personnaliser l'image de l'univers. Vu qu'on est de l'univers, donc notre première exposition, c'est d'abord personnaliser l'image de l'univers pour montrer aux gens que nous sommes des purs produits de l'univers. Donc du coup, on a modélisé des objets, des supports de téléphone portable, des portes de stylo, des portes à clé. On a modélisé aussi bon, un objet qui est toujours dans le sujet, c'est-à-dire c'est comme un appelle ouvre-porte. Cet objet nous sert de diminuer la transmission du virus. Par exemple, aujourd'hui, avec les portes, les gens ont tendance à dire que le virus ça se transmet en tout cas à travers les objets qu'on touche. Et du coup, avec cet objet-là, donc on peut limiter la transmission. Et si une fois qu'on utilise cet objet, ça va servir d'ouvrir la porte sans pour autant avoir contact direct avec la porte. Et là aussi, il y a une autre fonctionnalité, cette extrémité. S'il s'agit d'une porte qui est électronique, donc on peut utiliser cette extrémité qui va servir de doigt. Et là, automatiquement, on va appuyer sur le bouton afin en tout cas d'ouvrir la porte électronique. Donc c'était ça qu'on avait eu à présenter, en tout cas bon, dans le milieu, mais actuellement dans le thème intitulé la COVID-19. Donc après tout ça, nous avons l'imprimante. L'imprimante, après avoir fait toutes les conceptions, il faut imprimer et montrer aux gens que c'est ça que nous avons fait. Et tout se passe ici. Après avoir fait la conception, on imprime. Donc la machine, elle est là. On est en train d'imprimer les objets qu'on a fait les conceptions. Donc du coup, la machine elle est en train de tourner. Elle est en train de tourner comme ça. Mais avant d'allumer la machine, il nous faut des réglages d'abord au préalable avec ce bouton. Donc ce bouton sert de paramètre. Donc de toutes les fonctionnalités. Donc c'est à travers ce bouton-là qu'on calibre, qu'on règle la machine. Après ça va faire tout le design au niveau du logiciel. Donc on fait une extraction du fichier et on l'insère ici par carte.
automatiquement, on fait le paramètre pour au moins que la machine puisse faire son travail. Donc là, l'entraîneur de travail est fait découper, en tout cas, une forme. Et pour cela, nous avons besoin d'un filament. Donc c'est cette matière-là qui donne ce résultat. C'est à travers cette matière qu'aujourd'hui, nous pouvons faire de l'impression 3D. Donc, cette matière, comment ça se passe? Donc, il nous faut une température haute de la machine, donc 300 degrés, voire 200 degrés, pour que cette matière puisse fondre, pour qu'il puisse fondre, pour qu'au moins qu'on puisse avoir la matière en tant que telle. Donc, du coup, donc, une fois fini, la machine fait le découpe, il fait tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire, il fait le découpe et il trace tous les espaces nécessaires. Donc, après avoir fui, il va dégager automatiquement la palette pour qu'on puisse récupérer l'objet. Et automatiquement, donc, il faut attendre au moins une minute, voire 30 secondes pour enlever l'objet en tant que tel. Et une fois qu'elle finisse, donc elle va rester comme elle est. Et automatiquement, si on veut lancer un autre projet ou bien une autre forme, on peut automatiquement revenir ici, appuyer et le relancer. Donc c'est ça. Donc en grosso modo, l'impression 3D, on peut dire que c'est un domaine très passionnant. Donc la modélisation est très passionnante. Si bien sûr, en tout cas, bon, tu es passionné, donc ça peut servir quelque chose. Puisque c'est dans le milieu de la technologie et aussi c'est dans le développement, en tout cas, des facultés de l'homme. Mais c'est la créativité, c'est l'art. Mais c'est aussi large, quoi. Donc, c'est tout cela qu'on avait à vous présenter. C'était juste notre exposé, tout ce qu'on avait à présenter les gens à travers nos démonstrations avec la modélisation et l'impression 3D pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de diable dans tout ça. Il suffit juste d'apprendre et d'exécuter, en tout cas, ce qu'on a appris. Donc, c'était ça, l'impression 3D. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Yeli Kadjei, étudiante en licence 3 en informatique développement d'application à l'Université virtuelle du Sénégal, Enoker Massa. Notre projet consiste à faire un prototype d'une porte électronique avec carte d'accès. L'objectif est de mettre en place un dispositif électronique dont le but est d'identifier les personnes autorisées dans un espace privé. Grâce à leur carte. Par exemple, si vous avez votre maison ou votre entreprise et que vous voulez limiter l'accès, vous pouvez utiliser ce prototype-là. Comme ça, l'accès sera limité. Il suffit juste de donner les cartes aux personnes que vous voulez autoriser. Si la personne utilise la bonne carte, la porte va s'ouvrir et la LED blanche va s'allumer directement. Et si une personne utilise une mauvaise carte pour accéder à votre espace, la LED rouge va s'activer et le buzzer va émettre un son pour montrer qu'il y a une mauvaise connexion. Juste on va tester ça d'abord. Par exemple, cette carte-là, c'est une mauvaise carte. C'est pour ça que vous voyez ici dans le programme accès non autorisé, parce que la personne n'a pas utilisé la bonne carte. Et si elle utilise une autre carte qui est la bonne, celle-là, vous allez voir que c'est accès autorisé directement parce que la personne a utilisé une très bonne carte. Bonjour, je me nomme Abdoulaye Sy, étudiant en licence 1 à l'Université virtuelle du Sénégal, informatique développement application web mobile gaming, c'est-à-dire IDEA, rattaché à l'ENO de Kermassa. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter notre petit projet qui porte sur une voiture robotisée. Il y a la partie matérielle, c'est-à-dire le petit dispositif que vous voyez là, il y a un capteur ultrason qui détecte, qui mesure la distance qui sépare ce dispositif à un éventuel obstacle. Il y a la carte électronique et aussi il y a la câble d'alimentation. Ici, nous avons un modem, c'est-à-dire Wi-Fi, qui permet de connecter le dispositif avec notre téléphone portable et autres. Ici, nous avons la partie logicielle, c'est-à-dire la partie invisible. On a programmé un code ici pour de telle sorte que on peut contrôler ce dispositif. Je vais vous montrer, je vais faire une démonstration.
quand j'active le code, le dispositif se met à tourner. Mais ce n'est pas seulement cette rotation à 360 degrés. On peut le programmer de telle sorte qu'il va faire plusieurs mouvements ou bien conduire correctement. Si je mets comme ça, ça s'arrête. Et l'utilité de ce dispositif, c'est qu'on peut s'en servir pour fabriquer des jouets pour enfants, c'est-à-dire de grandes voitures, où l'enfant peut être à l'intérieur et conduire lui-même. Si la voiture s'approche d'un éventuel obstacle, ce capteur ultrason détecte l'obstacle et change de direction. Permet à ce dispositif ou bien à la voiture de changer de direction, c'est-à-dire de ne pas heurter l'obstacle. Et aussi, on peut l'utiliser aussi dans le domaine militaire pour des missions de repérage et aussi d'espionnage. Parce qu'on peut fabriquer de petites voitures minimes comme ça et qui peuvent passer presque inaperçues. Ou bien, ce que le drone peut faire en haut, ce petit dispositif peut le faire en bas, c'est-à-dire l'espionnage et les missions de repérage. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter, c'est Alpha Omar Diallo. Je suis étudiant en mathématiques appliquées et informatique de la promotion 7. Comme elle l'avait expliqué, notre projet est composé de deux éléments, la partie hardware et la partie software. La partie software ici, c'est la partie logicielle, autrement dit la partie programmation. Pour la partie hardware ici, on a les différents composants matériels, à savoir ici, on a une carte Arduino Uno. Ça, ce n'est rien d'autre qu'un microcontrôleur. C'est à partir d'ici que le programme est téléversé. Donc, en quelque sorte, c'est le cerveau. Ça aussi, on l'appelle ici breadboard. C'est cette partie-là qui alimente les différents composants matériels, à savoir les LED que vous voyez ici, la LED rouge et la LED blanche. Et cette lecture-là, après, une lecture RFID. C'est à partir de ce lecteur qu'on saura si une carte est bonne ou bien est mauvaise. Donc, si toutefois le numéro de la série de la carte est enregistré au niveau de la machine, c'est à partir d'ici qu'on le saura, à partir du programme, si c'est la bonne carte ou pas. Bonjour, moi c'est Dibo Ngom, je suis étudiante en MAI P3 et je suis en master modélisation et calcul scientifique. Lui c'est Ousseynou en P2, master en réseau et infrastructure virtuelle. Donc nous sommes là aujourd'hui pour Oubil Science et nous avons présenté l'alarme. Donc à quoi consiste l'alarme? On va d'abord parler des composantes matérielles et logicielles. Ensuite, nous allons vous montrer comment fonctionne l'alarme. Maintenant, ce que nous avons utilisé, c'est Arduino. Donc, quand on parle d'Arduino, on parle de langage de programmation et aussi une plateforme qui nous permet de créer des objets qui sont connectés à Internet. Donc là, nous avons le langage, on entre les variables, c'est-à-dire on fait la déclaration. On a déclaré nos composantes, c'est-à-dire la partie matérielle. Sans cette déclaration-là, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Là, ce sont les composantes matérielles. Nous avons la carte Arduino, la carte Uno. Nous avons le clavier. Ça, c'est le capteur tensoriel. Nous avons le buzzer. Et là, nous avons le breadboard avec les LEDs et les câbles et tout. Maintenant, nous avons connecté la carte avec le breadboard, la carte Arduino avec le buzzer, la carte Arduino avec le clavier, la carte aussi avec le capteur tensoriel. Donc, on peut comprendre aisément que la carte est la mère. Sans cette carte-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Et la carte aussi doit être sous tension, c'est-à-dire alimentée. On a choisi de le mettre avec l'ordinateur, puisque l'ordinateur aussi est penché. Mais on pouvait le faire avec des piles. Donc là, si par exemple on met un code qui est erroné, vous allez voir que l'alarme ne va pas fonctionner et que le code sera rejeté. Quel est le but de l'alarme? Le but, c'est de capter un objet. Ça peut être un téléphone, ça peut être votre coffret à bijoux ou bien autre chose. Cela dépend de ce que vous voulez connecter. Maintenant, si on met le téléphone sur le capteur et qu'on entre le bon code, le mot de passe, l'alarme va clignoter sur bleu. Donc l'alarme ne va pas clignoter, mais le LED bleu va clignoter. Ce qui veut dire que le code est correct et qu'on détecte la présence du téléphone. Le LED jaune permet de comprendre que le breadboard fonctionne correctement. On enlève le téléphone. Et là, on patiente quelques secondes pour voir ce qui va se passer. Vous voyez, l'alarme s'est déclenchée automatiquement. Et tant que je ne mets pas le code
qui est correct, l'alarme ne va pas s'arrêter. Là, c'est le buzzer qui est en train de signaler. Vous voyez. Vous voyez, il a mis le code et l'alarme s'éteint automatiquement. Donc là, on peut le faire dans les maisons, dans les voitures ou bien autres, selon vous, votre domaine d'utilisation. Maintenant, cela nous a permis, entre autres, d'avoir des connaissances en programmation Arduino, d'avoir des connaissances en objets connectés, mais aussi d'avoir des connaissances de manière générale de comment fonctionnent les objets qu'on est en train d'utiliser ou bien les matériels qu'on utilise. Donc là, on peut faire les programmations nous-mêmes, on peut faire le branchement nous-mêmes. On ne l'a pas appris, on l'a juste fait avec la documentation, avec l'aide des autres, c'est-à-dire de Papa Tiam ou Seino, et comme les autres aussi. Cela dit, nous pouvons le faire pour les grandes entreprises, nous pouvons le faire chez nous, mais juste il nous faut l'appui. Si on n'a pas l'appui, on ne peut pas y arriver. Et je pense que là... Bon, je vais partir de l'association des acteurs du micro-jardinage, 2AMJ. Le projet que nous déroulons, c'est le projet de la ville de Dakar, qu'on l'appelle Dakar Milan. Donc on a organisé, inséré des CFD sur les 19 communes de Dakar. Donc du coup, dans 12 communes, on a des centres de formation et de démonstration. On a des centres de formation et de démonstration. Moi, je suis basé à Wakam, le CFD de Wakam, donc qui se trouve au centre socioculturel. Du coup, avec l'initiative de CID, on a organisé des sections de formation pour des enfants de 7 à 18 ans, pour les former sur les techniques du micro-jardinage. Bon, en tout, on parlait aussi de l'environnement, les initiés sur l'environnement aussi. Donc du coup, on a fait pas mal de choses, les techniques de repiquage, les techniques de semis, et comment entretenir les plantes. Donc en grosso modo, on a fait tout ça avec ces enfants. Donc du coup, l'association, ce qu'il vient de faire, on est très embrassé, très content d'initier les enfants sur ces techniques de culture. Bon, mon banque aussi Wolof, nous avons une association, l'association des acteurs du micro-jardinage. Bon, nous avons un programme pour maintenir la ville de Dakar et la ville de Milan, nous avons initié pour former population Dakar, c'est une technique de micro-jardinage. Donc en 2016, on a débuté en 2016, jusqu'à présent, nous avons une formation. Donc du coup, il y a la défaite, association sciences et qui, essence et éducation, nous avons pour me former les jeunes, pour nous avoir une technique de micro-jardinage à faire environnement. Si la ligne formée depuis 3 mois, chaque samedi, nous semis, repiquage, entretien des plantes. De telle sorte que nous avons un programme de reboisement. Nous avons quelques plantes qui ont emporté des plantes qui manquent. Nous avons créé une tournée pour reboiser le maximum de plantes sur la commune de Wakambi. Donc, c'est ce que l'initiative, c'est ce que c'est ma présence sur cette expo. Donc, du coup, je les remercie, nous avons l'initiative et nous avons fait que aussi. Si nous avons ce que nous avons fait, nous avons fait pour nous connaître l'environnement, pour nous connaître ce qu'est Gantia, et l'art qui nous a initié aussi. Tout ça, nous donne des enfants qui refaitent aujourd'hui. Nous avons fait pour jeunesse au Sénégal, nous avons fait ce qu'ils ont refait, en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Je m'appelle Mme Khadija Tidjan, je fais la classe de 3e. Je suis en école, dans l'école de Sorno Diop Befal. Je vais vous présenter expérience qui s'appelle les magiques.
toi. On aura besoin des colorants vert, jaune et rouge. Et du lait. Voilà. Du madar. On va commencer par le lait. Je vais verser du lait. Voilà. Je vais mettre des colorants. Je vais commencer par le vert. On goûte. Voilà. Je vais prendre le jaune. On goûte aussi. Disperser. Je vais prendre le rouge. Je vais mettre aussi. Voilà. Maintenant, j'aurai besoin du madar. Le truc, je mets ici. Je vais mettre un peu. Maintenant, je vais le mettre sur le vert. Ça va s'éparpiller. Sur le rouge aussi, même chose. Le jaune, même chose. À cause du madar, le madar, il y a une tension superficielle qui permet de disperser les couleurs pour créer une couleur arc-en-ciel. Ça semble comme bon. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Salakan Dien, je fais la classe 3e à Yandira. J'habite à Wakambourg. Je vais vous présenter une expérience qui s'appelle Trombone qui flotte. Pour ce faire, j'ai besoin de l'eau et de deux trombones. Le trombone flotte à cause de la peau de l'eau. La peau de l'eau s'appelle tension superficielle.